Salut à tous mes agneaux, c'est Over, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures sur la Joie 4 ou comment nous nous battons tant bien que mal pour survivre face à l'ennemi. Vous avez dû à ce moment-là déjà me dire en commentaire si j'ai réussi à survivre ou non, voici le résultat, j'en suis là. Amsterdam vient de tomber à l'instant et normalement vous allez voir ma capitulation sur le front occidental. Normalement, je rappelle quand même que cela a été fait après plus d'1,1 million de morts, enfin 1,2 pour être exact, et que j'ai infligé quand même aux Allemands 5,7 millions de morts. Ils en sont à 7,8 millions de morts au total. Autant vous dire que je l'ai saigné le petit loup, d'autant plus que la guerre n'est pas finie. Tout simplement, et que pareil, le Japon, je peux me le faire. C'est d'ailleurs ce que je risque très probablement de faire. Alors, on va voir déjà si je capitule. On voit ça à 24. Ouais, c'est bon. Effectivement. Voilà, j'ai capitulé. Ça va être assez intéressant, étant donné qu'on va voir du coup les mécanismes de gouvernement en exil et les nouvelles priorités nationales propres au... Can be done. Une légitimacy, t'as 100, on continue de... Non, on va pouvoir voir les nouvelles features propres aux Pays-Bas. Alors, du coup, j'ai été obligé de capituler, je n'ai donc plus de troupes ici, mis à part les troupes de mes colonies qui sont ici, évidemment. Très bien, why not. Priorité nationale, je peux arrêter les construction repairs, et du coup, je peux... is not completed, ah. Oh! Oh! Ah ben ça va être compliqué, hein. Donc ça va être compliqué. Je fais ça comment exactement du coup? J'ai 23 usines, mais je les sors d'où ces usines? Je sais pas d'où je les sors, écoute. Ah, ben via le commerce, d'accord, from trade. J'en ai 15. Bon, ben je vais concentrer tous mes efforts sur le développement de ma colonie, histoire de l'annexer, puisque je vais pas pouvoir l'annexer à l'ancienne, hein, évidemment. Évidemment, évidemment, sinon c'était pas drôle. Tiens, je vais faire un truc intelligent, du coup, je vais faire dans l'ordre. Faisons le point, faisons le point. Ouais, j'ai déjà beaucoup... Beaucoup de troupes ici, ça c'est cool. Ok, très bien. Non, c'est bien ce que je veux faire. Ouais, déjà les infrastructures c'est cool. Alors pas ici, parce qu'il y a quand même plus efficace comme endroit. Tiens, je vais faire les ressources ici plutôt. Voilà, on va mettre les ressources ici. Et après, le mieux, ce sera là, effectivement. Bon, ben, tout ce que je peux faire maintenant, c'est annexer les Pays-Bas à l'ancienne. Hein. Donc, je vais renforcer Java. Je vais pouvoir développer et m'intéresser, du coup, au côté un petit peu naval. Hein. Ça, c'est très con. C'est franchement très con. Alors, je vois pas pourquoi ils m'ont enlevé ça avec l'Orange Boven. C'est très con. Mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Attention, ça me donne du manpower, mais il faudrait que j'annexe l'autre territoire, le Willemisme, hein, ça peut être intéressant. Trois usines militaires supplémentaires. Go with Britain, ouais, ça peut être intéressant aussi. Ah, c'est une grande question, parce que du coup, si je ne peux pas profiter des priorités nationales traditionnelles pour continuer la guerre depuis Batavia... honnêtement, c'est pas intéressant de continuer. Ce qui nous pose un sérieux problème. De fait. Ça nous pose un sacré problème. Bon. Écoutez, on va continuer. On va voir comment ils se démerdent ici maintenant qu'ils ne m'ont plus. Je suppose que maintenant que je suis plus là, ils vont réussir à se défendre. Vous allez voir. The fight is not over yet. Ok. Je vois que j'ai des généraux qui ont réussi à passer. Alors du coup, le fait d'être... ouais, le statut, ouais.
Reinstate, oui, d'accord, très bien. Division. D'accord. Ah, je gagne des troupes supplémentaires chaque jour, d'accord, et je vais pouvoir reconstituer mes forces. Ouais. D'accord, je gagne un autre, super. Je continue le développement de mes technologies, ça j'ai le droit, c'est autorisé, super. Les naval bombers, oui, j'en aurais besoin, surtout contre le Japon, du coup. Et j'ai toujours 23 usines. Je sais pas d'où je les sors, ces usines, mais je les ai toujours. Avec toujours les alliés qui se battent depuis tout à l'heure, j'avoue que ça me ferait chier, hein. Je vais pas mentir, ça me ferait très chier de me retrouver dans une situation où maintenant que j'ai capitulé, non, c'est bon, on peut tenir, on n'avait pas besoin de vous, tu sais. Fait très plaisir. D'accord. Territories, ok, c'est quoi ce bordel? Autonomy effect from master building. Eh? Pourquoi j'ai perdu un niveau au niveau des colonies? J'ai pas pigé là. J'ai pas tout compris. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je recommence à avoir des troupes petit à petit. Très bien. Ouais, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Il hein. n'y a plus qu'à attendre. Là, je vais renforcer Java. Je peux faire ça, donc les fondations coloniales. Je peux faire du coup tout ça au niveau de Java et de la Polynésie. Et après, c'est arrêté. Donc, je peux même pas ça. Je suis complètement bloqué. Et ça, c'est chiant. C'est très chiant, je suis bloqué, je ne peux rien faire d'autre, je ne peux pas pleinement profiter de mes colonies. Je pensais pas que ça devait forcément être un choix, c'est assez c'est particulier. Légitimité. Ah, donc le fait d'être un gouvernement exilé nous fait gagner du coup des bonus d'attaque. Ok. Bah, écoute. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire, je ne sais que dire. Bon, alors du coup, manage subject. Là, je vais te récupérer de toute façon, puisque je suis en train de construire énormément de matos chez toi. Super. Je vais changer, écoute, tant qu'à faire, je vais passer à free trade pour augmenter la part d'usines que je peux gagner via le commerce. Voilà, bon, de toute façon, je n'ai plus d'usines militaire puisque les derniers territoires sont en train d'être pris, ça c'était assez prévisible pour le coup, c'est pas bien grave. Hop, on fait ça, très bien. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Nickel. Et nickel, me voici donc gouvernement en exil avec que dalle, que les yeux pour pleurer et des alliés qui font de la merde. Là franchement je suis embêté, je ne sais pas si ça vaut la peine de continuer. On va le faire. Faire l'effort jusqu'au bout. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer au moins d'annexer mon pupette. Et on va voir ce que ça va donner. Et du coup, je me retrouve avec 18 usines. C'est déjà pas mal. 9 ont échappé et continuent le combat. Sont arrivés à Londres. Donc j'ai des divisions qui ont survécu. Cet homme qui est paumé. Oh, ça, c'est mes divisions. Je les connais, celles-là. Ces divisions, je les connais bien. Bah, du coup, je vais pouvoir les ramener. Super.
Si je peux les ramener, du coup, 17K, ouais, je pourrais m'en débarrasser. Mais là, ce qui va m'intéresser, ça va être de les mettre aux ordres d'un de mes généraux. En l'occurrence, ça va être ce général. Ça va être cool. Je vais te demander de faire une ligne de front. Hop, on va se mettre et se positionner ici. Super. J'ai pas mal de convois. Je vais voir si je peux pas demander un petit lend-lease. Ce serait cool. Après, j'ai déjà mes stocks. J'ai toujours mes stocks même. Donc, j'aurai pas de problème d'armement. Ça, c'est cool. Bon. Normalement, on a le contrôle des mers ici. Donc, je ne devrais pas avoir de soucis de ce côté-là. Je peux envoyer sans problème les ressources par là. Ok. Pendant ce temps-là, les alliés continuent d'attaquer en masse. Ouais, on sait pas trop pourquoi, mais ils continuent d'attaquer en masse. Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Oui, donc tout ça, effectivement. Je vais gagner pas mal de. Je vais gagner pas mal d'usines. Hein. Ça, il y a moyen que je gagne pas mal d'usines avec les Indes néerlandaises d'intégrer. Il recommence à revenir dans mon giron. Il était temps. Il était temps, il était temps. Si, mais si, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. J'ai une priorité nationale qui me permet d'accélérer l'intégration des pupettes. C'est Suppress. Et oui, je l'avais complètement oublié. Je l'avais complètement zappé. J'aurais dû commencer un peu plus tôt vu que je devais sûrement anticiper ma chute. Un peu plus tôt, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer la guerre depuis les colonies. Et petit à petit, on va préparer la contre-attaque et la vengeance. Ça va se faire bien, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Donc du coup, il va me falloir. Je sais pas qui t'es. Non, toi t'es à Curaçao, donc on s'en fout, effectivement. Il va me falloir un maréchal. Bah du coup c'est lui, hein. Il reste maréchal et il n'a pas démérité, hein. On s'est battu jusqu'au bout. On s'est même très très bien battu, donc il n'y a pas trop à se plaindre de ce côté-là. Je laisse les alliés se démerder pendant ce temps-là à faire de la merde, hein. Faites bien de la merde, hein. Ça m'aurait été bien inutile. Mais bon. Écoutez, du coup, la guerre pour moi passe à l'est, hein, vraiment à l'extrême-orient. Je vais pouvoir m'intéresser à sécuriser Singapour, ça peut être un bon objectif, hein. Ça vous rappellera, j'en suis sûr, une autre partie, hein, avec les Australiens, hein, comme quoi on revient, tous les chemins mènent à l'extrême-orient. Donc, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Là, je suis pas trop mécontent de mon commerce poussé à l'extrême parce que du coup, j'ai un maximum d'usines qui me permettront de tout simplement hop, occuper petit à petit mon pupette que je vais récupérer. Là, je sais pas pourquoi j'ai perdu en degré de pupettage ou de pupetterie, ça dépend le point de vue. C'est selon. Ah oui, toi, t'es pas dans le bon théâtre, toi. Ah non, mais t'es. Voilà. T'es dans ce théâtre, toi, maintenant. L'Ouest, tu connais pas. Maintenant, c'est à l'Est que ça se passe. On fait pas de conneries. Voilà. Bon, quand je t'aurai annexé, on verra plus tard. Voilà. Je gagnerai ces troupes. Super. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. Tout le monde, il est content. Ok, est-ce que j'ai d'éventuelles priorités nationales utilisables? Ouf. At peace. Hein, je peux continuer d'attirer les gens ici, d'accord. Bon, ben, je vais continuer, hein, puisque je peux attirer des gens. Je vais continuer de le faire, ça va un petit peu développer. C'est vrai que j'ai ces priorités nationales qui me seront très utiles. Enfin, ces décisions plutôt, j'aurais dû les utiliser un peu plus. Ici, je ne touche à rien pour Lobby for Support. Gouvernement en exil. D'accord, donc je peux. Ah, il faut que je demande aux Britanniques de pouvoir me réinstaller dans mon pays. D'accord. Ça, ce sera possible quand, du coup, les Pays-Bas seront libérés. D'accord. Il faut donc que je m'assure de rester pleinement légitime face aux Allemands. Ok, c'est intéressant. Donc du coup, oui, toi, oui, manage subject, voilà. Et dès qu'on peut, on te bouffe totalement, voilà. T'as pas le choix.
Pas le choix, t'as pas le choix. Je fais les investissements les plus importants tout de suite, tant qu'à faire. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal, hein? C'est pas mal riche le coin, il y a de quoi faire. Donc là, les infrastructures, c'est ce qu'il y a de plus utile et de plus pratique, hein? Je ne referai pas la même erreur, je me tromperai pas comme je l'ai fait par le passé. Je ferai bien sûr très attention à bien gérer mes flux en matière d'infrastructures. En tout cas, une chose est sûre, ma priorité sera d'attaquer et de vaincre les Thaïlandais. 68 divisions, c'est pas mal, mais c'est gérable. Je sais pas trop comment je vais gérer, je vois que l'Allemagne aussi a des troupes ici. C'est assez marrant. D'autant plus marrant que personne n'attaque de ce côté-là, c'est assez drôle. En même temps, ils peuvent pas vraiment envoyer de renfort. Est-ce qu'il y a des ressources? Non, il n'y a pas de ressources, mais j'irai leur prendre le territoire. Oh, mais c'est vrai, il y a l'Australie aussi à prendre. Oh, je vais avoir du boulot, moi, dis donc. Et oui, je regarde tout ce qui va être Singapour et le Japon, mais j'ai déjà l'Australie. L'Australie, du coup, la Nouvelle-Zélande, oui, à cause du bug, c'est devenu des fantoches. Et du coup, ça me fait penser à autre chose. Est-ce que l'Inde est un fantoche? Oui, c'est bien ce qui me semblait, l'Inde est un fantoche. Voilà, c'était bien ce qui me perturbait considérablement. Ouais, c'est un fantoche, absolument. Bon, à ce que je vois, la guerre est totalement bloquée tant qu'il n'y aura pas de combat, de ligne de front commune impossible de combattre. C'est simple, hein, l'Afrique est à nous. L'Amérique est à nous, l'Océanie est disputée, et l'Asie et l'Eurasie et l'Europe, on se touche la nouille! Ah là 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 là. Sacré bordel. Mais bon, on va faire avec. Je gagne un peu de manpower chaque jour qui passe, ça fait plaisir. Un millier d'hommes, c'est sympa. C'est vrai que j'ai en tout un truc comme 1 million d'hommes qui peut venir. C'est sympa, hein? C'est sympa, c'est sympa, le délire du manpower. Alors, je me demande si le fait de retrouver des territoires, genre là, le fait d'annexer les Indes orientales, va me permettre de gagner en gain de manpower. Donc, oui, je vais gagner du manpower en annexant ces territoires, mais est-ce que l'arrivée de manpower qui vient du continent, qui vient des Pays-Bas, va augmenter? Là est toute la question. Toute la question, toute la question. Faire ça pendant ce temps-là. Ouais, du coup, je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Par travailler à intégrer mon pupette. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Alors au niveau des décisions, pour le coup, je peux regarder un peu plus en détail cette partie à faire. Je peux forcer l'appropriation, mais c'est pas nécessaire. À savoir, alors pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas compris depuis l'arrivée de Weekend de Tiger, vous savez, quand vous arrivez au bout d'un moment, vous ne pouvez pas construire plus de bâtiments parce que les slots sont limités. À savoir, je le rappelle, que vous avez deux façons d'augmenter de façon virtuelle. Soit vous forcez comme ça, je ne sais pas à quel point c'est utilisable, je ne l'ai jamais fait, mais ça vous permet du coup de dégager un slot de construction supplémentaire. N'oubliez pas que plus vous construisez et plus vous bénéficiez des autres bonus, hein, parce que quand vous utilisez par exemple, hop, tac, c'est celui-ci, vous avez un nombre d'usines possibles par état. D'accord? Ce facteur multiplicateur de slots de construction augmente au fur et à mesure où vous débloquez des slots. Et oui, ça paraît simple dit comme ça, mais il y a une réalité derrière. Oui, si tu veux. Et ça t'amuse. Si ça t'amuse, je redevine. Voilà, c'est pas grave. Ok, bon, mais du coup, au moins, on est totalement là-dessus. Oui, donc, je disais, si on reprend cette idée, par exemple, à chaque fois que j'utilise, admettons, hein, j'utiliserai 5 fois de plus l'intégration dont je vous ai parlé, on pourrait monter
à 10 slots, en plus des bonus. Grâce aux industries, comme vous le voyez, je pourrais gagner plus de régions. Là, avec les bonus actuels, vous voyez que j'avais gagné 2 slots rurales. Et plus vous augmentez de slots, et plus, grâce à vos bonus accumulés, plus vous augmentez et vous développez les régions jusqu'à une limite, comme ici à Java, de 25, bien sûr. Voilà. Et additionnel 10 ici, grâce au bonus de technologie derrière. Effectivement. Effectivement. Alors, on est en 45, donc je peux développer les jets. J'ai du pétrole, j'ai de l'aluminium et j'ai du caoutchouc, donc oui, je vais développer une industrie aéronautique nationale. Évidemment, ça nous sera assez vital pour pouvoir développer et vaincre l'ennemi. Très bien. Je développe mes technologies de transformation, je vois que mes troupes sont prêtes. Je vais donc pouvoir commencer à attaquer les choses sérieuses. Voyons voir ce qu'on peut faire de sympa de ce côté-là. Ah ben non, on peut rien faire évidemment. Évidemment qu'on peut rien faire, on est sur un puppet. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de combat. D'accord, je comprends mieux. Et oui, je comprends mieux. Ce sont des troupes coloniales, donc au final, c'est normal qu'il n'y ait pas eu de problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre. Là, s'il vous plaît, merci. Hop, donc du coup, je peux tranquillement prépositionner mes troupes et je vais pouvoir aller jusqu'à Rabaul. Ça, c'est cool. Ça me promet de belles batailles. Hein. Je vais avoir l'occasion de réutiliser mes compétences aéronautiques et de pouvoir travailler l'aspect naval. Du coup, là, ça va devenir intéressant. J'ai gagné pas mal de. D'usine. Ah ben oui, ben c'est le fait d'intégrer mon puppet, ça m'a accéléré les choses. Bon ben écoutez, hein, j'ai un peu cette impression que c'est justement parce que j'ai perdu mon territoire national que je vais mieux m'en tirer. En tout cas, c'est sûr que quand je détiendrai tous ces territoires, je vais approvisionner les alliés en ressources. Hein. Ça va être assez littéral. Alors qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je n'ai pas de production, donc ce serait le bon moment d'améliorer ma stabilité, hein, effectivement. Effectivement. Relocate. Prérequis, du coup, continuer la guerre depuis Batavia. Non, ce n'est pas possible, malheureusement pour moi. Ça me demande de toute façon de les annexer. Bon, ben ça, de toute façon, je vais annexer après. Bon, ben écoutez, les amis. Je vais en ligne, je vais accélérer le puppetage de ces chères colonies. Dites-moi en commentaire si vous pensiez que ça allait finir comme ça et si vous pensez qu'à ce stade de la partie, j'ai encore une chance de contre-attaquer et de vaincre. Et selon vous, quel plan, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous auriez fait pour pouvoir contre-attaquer et reprendre petit à petit la main sur l'ennemi. Et je vois que j'ai toujours 23 usines militaires. C'est pas doux, mais j'ai 23 usines militaires. Bon, mais écoutez, je vais les utiliser à bon escient, il n'y a pas de problème de ce côté-là, dès que cela sera possible. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo, et de vous abonner, et cliquer sur la cloche. Allez, à tout de suite en commentaire, ciao!